Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et des témoignages hors du commun. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que des témoignages de ce genre arrivent. Ah, ça va être chaud. Une maman affronte les sorcières qui ont mangé son enfant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutons. Bon, l'histoire que je raconte là se passe au Gabon. Elle m'a été racontée par ma grand-mère. Bon, vraiment dans les temps d'avant là. Bon, l'histoire se passe dans un village, à Lambaréné. Les Gabonais qui sont sur le live là vont connaître. Il s'agit d'une femme, des femmes qui vivaient en concubinage dans un village. Et il y avait beaucoup, elles étaient trois. Donc, il y avait une qui avait son enfant, un petit garçon, et les autres n'avaient plus les enfants. À chaque fois, c'était des maladies bizarres, et les enfants partaient sans explication, et les gens ne cherchaient pas à savoir. Mais maintenant, il se trouve que la maman, celle qui avait son petit garçon, sa plantation était de l'autre côté de la rive. Les villages étaient séparés, donc pour aller chercher par exemple la nourriture en brousse, il fallait qu'elle traverse la lagune pour aller chasser, pour faire ses pièges, ses plantations et tout. Mais elle ne pouvait pas partir avec l'enfant. Donc elle a essayé de voir avec ses rivales à la maison, demander si elles, ils peuvent pas garder l'enfant et tout et tout. Elles ont accepté, oui, laisse l'enfant, il se rend en sécurité et tout, t'inquiète. Elle a d'abord douté là un peu, mais après, bon, elle a dit, elle va faire comment? Je n'ai personne là, autant laisser l'enfant. Donc, elle est partie. 1, 2 jours, 3 jours, elle a laissé l'enfant. Elle est revenue après les 3 jours. Quand elle revient, elle voit de loin au débarcadère, elle voit un attroupement. Des gens sont en train de pleurer. Elle arrive avec sa pirogue, tranquille, comme si de rien n'était. Elle arrive à la côte. Quand elle est à la côte, les femmes avec qui elle a laissé l'enfant s'approchent d'elle en disant: Ah, maman, ici, là, il y a un problème et tout. Voilà, l'enfant est parti. Elle dit: Mon enfant qui? Lequel de mes enfants? Oh, celui que tu as laissé avec nous là. Et elle a posé encore la question: Mon enfant est parti. Vous êtes sûr que mon enfant est parti? Oh, oui. Elle a dit, OK, il n'y a pas de souci. Les gens étaient pris de stupeur. Mais comment toi, on t'annonce que ta mère, ton enfant est parti, tu ne réagis, c'est comme ça que tu réagis. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Elle a fait descendre toute sa marchandise qu'elle avait pris, son poisson, ses légumes, quoi, tout. Elle est partie dans sa case. Elle a commencé à préparer. Préparer, préparer, préparer. Les gens étaient là en train de la regarder, que, mais toi, c'est comment? Tu ne pleures pas, tu ne cherches pas l'enfant, t'as dit que l'enfant est mort. DMG, elle a fini de préparer tout ce qu'elle avait à amener de la brousse et tout et tout. Après, elle a pris la machette, elle a mis ça au feu. Donc, pendant qu'elle préparait la machette, elle était déjà en train de chauffer. Donc, pendant qu'elle était en train de préparer la machette qu'elle avait laissée au feu, était en train de chauffer, donc c'était devenu bien rouge. Elle a fini de préparer. Je sais pas ce qu'elle a fait dans sa cuisine. Elle a mis une feuille sous la langue. Et après, elle a mis. Chez nous, il y a un animal qu'on appelle le mungimbi. Elle a pris les urines de ce truc-là, elle a mis aux yeux. Elle est sortie, elle a pris sa machette et s'est mise à la cour. Elle est repartie chez les dames. Que, ah bon, voilà, moi je vous ai laissé avec mon enfant. 3 jours. J'ai laissé mon enfant était en forme. Correctement, il n'y avait pas de souci. Je connais mon enfant, il n'était pas malade. Mon enfant est où? Donnez-moi mon enfant. Mais on te donne ta thèse, on commençait à crier là. Mais on te donne ton enfant comment? On te dit que l'enfant est mort, il a fait la fièvre, il est parti. Elle a dit: Rendez-moi mon enfant, moi je ne vous dois rien. Je suis chez moi, je ne vous demande rien. Parce que je crois que je vous ai laissé mon enfant, ça ne veut pas dire que vous devez le prendre dans vos choses. Donnez-moi mon enfant. Elles ont continué à tergiverser là. Il y a une qui n'a pas suivi le coup de machette. Excusez-moi, nous sommes sur TikTok, je sais, mais le coup de machette est parti. Quand le coup de machette est parti, ça a pris le pied d'une.
Les autres ont fui dans leur case. Elle a commencé à crier, à parler. Je ne sais pas si c'est la feuille qu'elle avait dans sa bouche. Chacune, si vous voyez les vieilles, comment dire, dans les cases de nos grands-mères à l'avant, il y a des espèces de calebasses souvent accrochées, certaines gibecières là, il y a des choses souvent à l'intérieur. Donc, elles sont parties prendre ça. Chacune dans sa case est partie récupérer les choses dans leur gibecière là-bas. L'autre amenait la banane, l'autre amenait un peigne, l'autre amenait un morceau de cœur, l'autre amenait un morceau de poisson. En fait, tu as l'impression que chacune avait, comment dire, une partie du corps de l'enfant. Donc, elles ont amené ça là, chacune, elles ont déposé. Or, moi, j'avais ça où elles ont déposé. L'une a déposé. Donc, après, quand elles ont ramené toutes les parties là, c'est là où la dame, maintenant, à qui appartient l'enfant, a dit bon, tous les morceaux sont là, ok. Bon, amenez-moi maintenant le corps de mon enfant. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu le corps de mon enfant. C'est là où les vieux, les papas musclés du village sont maintenant partis se lever le corps, amener le corps. Deuxième J, 2 minutes. Elle a seulement dit 2 ou 3 mots. Moi, je ne connais pas quelles incantations qu'elle a eu à faire. L'enfant s'est réveillé automatiquement. Et quand elle a fini de réveiller l'enfant, elle a menacé les femmes que ce soit la première et la dernière fois parce que moi, je ne vous dois rien. Je suis là, chez moi, on a partagé un mari, et ça c'est limite là. Si vous faites vos tontines mystiques avec vos enfants, ça ne regarde que vous. Et moi, laissez mon enfant. Du tout au tout, elle s'est mise à table assez avec son fils. Alors, ils ont mangé tout un objet qu'elle avait préparé. Elle a mangé avec son enfant tranquille. L'histoire est terminée là. Donc juste, la morale de cette histoire pour moi, c'est de garder vraiment vos enfants, préservez-les. Peu importe que ce soit, même parce qu'on remarque souvent aujourd'hui là, frères et sœurs, oh, je revois mes enfants passer les vacances chez tel. C'est bien pour y a la familiarité. Mais on ne sait jamais qui est qui dans ce monde-là. Donc vraiment, faites attention. Donc on te dit ça. Est-ce que vous avez entendu ça? Le monde n'est plus celui que vous croyez. Nous sommes quasiment dans la fin du monde. Oui. Nous vivons les derniers temps. Et le diable est derrière tout ça. C'est le diable qui place ses pions derrière. Et oui, il place ses pions. C'est lui qui nous crée les problèmes. C'est le marionnettiste. Ha! Ok, nous allons écouter encore le témoignage, c'est parti. L'histoire dont je vais parler aujourd'hui est la mienne. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et donc je vais tout de suite commencer à la conter. Il y a quelques années de cela, je n'étais pas du tout croyant et encore moins en ce qui concerne le monde spirituel, la métaphysique ou ce genre de choses. J'étais un cartésien convaincu, un matérialiste, et pour moi, après la mort, il n'existait rien du tout. J'étais convaincu de cela. En plus d'être plutôt doué pour les sciences, les mathématiques et la physique, je me disais que tout ce que les gens racontaient n'était rien d'autre que des sottises. Et donc, bien ancré dans mes convictions, je tombe un jour sur un ami avec qui qui m'invite. On ne s'était pas rencontré depuis un certain temps, cet ami m'invite. Et donc je vais à sa table et je discute avec lui. Et là, il me dit, tu sais, j'ai fait une drôle d'expérience récemment parce que j'ai adhéré à une organisation religieuse que je ne vais pas citer puisqu'on reste en anonyme dans cette émission. Et il me dit, ben, dans cette organisation-là, je suis encore à mes débuts, mais ils m'ont appris une pratique très curieuse, celle de sortir de mon corps de façon astrale. Et donc, étant un cartésien, j'éclate de rire et je lui dis qu'il me raconte des sottises et tout ça. Et il me dit, non, c'est très sérieux, c'est possible, ce sont des choses qui existent et tout ça. Mais comme je suis quelqu'un de curieux et que j'ai l'esprit
scientifique, un esprit de recherche. Je lui ai donc dit, bah écoute, s'il y a moyen que ces choses se fassent, ça signifie qu'il existe une méthode. Donc, enseigne-moi la méthode, je vais l'essayer, et ensuite, si ça marche, à ce moment-là, j'y croirai. Mais jusque-là, pour moi, ce ne sont que des sottises. Donc cet ami va me dire, mais il n'est pas très prudent de le faire sans avoir de guide à ses côtés, parce qu'il se pourrait que l'esprit se perde dans certaines dimensions et tout ça. Et donc là, je lui dis, déjà, j'ai la probabilité que ça arrive est très faible, mais vas-y, je peux très bien essayer ça tout seul, il ne va rien se passer de toutes les façons. Donc il m'enseigne une certaine méthode. Et à l'époque, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule méthode pour le faire, mais quand j'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de façons de sortir de son corps. Donc, il m'enseigne cette méthode. Et nous nous séparons. Il rentre chez lui et moi chez moi. Le soir même, j'étais trop fatigué. Donc, je ne prenais pas ça très au sérieux. Donc, je ne tente pas de le faire. Et quelques jours après, un soir, j'avais du mal à dormir et je me suis dit, tiens, mon ami m'a enseigné telle et telle méthode, je vais donc essayer. Et j'essaye, et chose curieuse, ça marche du premier coup. Alors, vous décrire ça serait très difficile, parce que vous avez l'impression, quand votre esprit sort du corps, c'est un peu... Vous voyez, quand vous retirez un bout de papier collé à une bouteille, vous avez l'impression que quelque chose se détache de votre corps. C'est un peu comme si on arrachait du scotch. Il y a vraiment une enveloppe qui se détache. Et là, je suis très surpris de voir ce qu'on appelle le cordon d'argent, parce qu'il y a un cordon qui relie l'esprit au corps physique au niveau du nombril. J'avais déjà lu des choses sur ça, mais je n'y croyais toujours pas. Et donc, je suis très surpris, je vois mon corps étendu dans ma chambre. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis dit, comme je suis dans mon expérience, je vais essayer d'aller explorer. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai commencé à me balader dans la maison, j'ai fait le tour, et après, je me suis dit, je vais sortir de la maison. Et j'ai réussi à sortir de la maison, et... je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'idée de m'élever dans les airs. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? Donc j'ai commencé à m'élever dans les airs. Du coup, j'avais une vue aérienne de la maison. J'étais au-dessus de la maison. Et je me disais, est-ce que je peux monter encore plus haut? Donc plus je montais, et plus je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais mon corps physique restait en bas dans ma chambre. Je pouvais entendre les battements du cœur de mon corps. Et plus je montais, plus je m'élevais vers les cieux, et plus les battements de mon cœur se faisaient insistants. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais pas si j'étais toujours dans le ciel physique ou si j'étais dans un changement de dimension. On va dire ça comme ça. Mais quand je suis arrivé à une certaine altitude... je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de trafic dans le ciel. Quand je dis trafic, il y a vraiment des gens qui passaient très vite, mais dans toutes sortes d'engins. J'ai vu des gens sur des balais, j'ai vu des gens dans des véhicules qui n'existent pas dans le monde physique, et tout se passait très vite en fait. Et moi, n'étant pas habitué à ce genre de choses, je commençais à paniquer. Et là, je vois quelqu'un, un membre de ma famille, qui s'arrête et qui vient devant moi, l'air menaçant. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et à ce moment-là, la seule pensée que j'avais dans ma tête était de retourner dans mon corps. Parce que là, je commençais vraiment à paniquer. C'était une expérience nouvelle pour moi, mais elle était aussi très flippante. Donc je me mets à penser très fort, à retourner dans mon corps, et comme je n'avais pas la maîtrise de la chose, je ne suis pas revenu dans mon corps de façon l'atterrissage ne s'est pas fait normalement, mais j'ai eu l'impression de tomber. C'est vraiment comme si j'avais fait une chute du ciel jusqu'à dans mon lit. Et quand mon esprit a regagné mon corps était tout transpirant, il était très chaud. Et je sentais mon cœur battre la chamade. Donc c'est comme ça que commencent mes aventures dans,
dans le monde spirituel, il y a une suite, mais étant donné que nous n'avons que 10 minutes pour conter notre petite histoire, donc je voulais, ceci est une introduction, mais je reviendrai pour conter la suite, parce que étant quelqu'un de curieux et ayant découvert quelque chose ce jour-là que je croyais inexistant, j'ai donc décidé de creuser, et plus je creusais, plus j'ai fait des découvertes, et plus j'ai découvert des mondes. Maintenant, je sais que nous vivons dans un monde qui abrite des mondes, et voilà, je n'aurai malheureusement pas le temps de tout détailler aujourd'hui, mais je reviendrai très, très prochainement. Voilà, donc par contre, si je peux me permettre un conseil, ne vous lancez jamais dans ce genre d'expérience. Surtout si vous n'avez pas de maître initiateur, ça se termine toujours très mal. Voilà. Donc vous avez entendu ça? Ça se termine toujours très mal. Bien. Maintenant, nous allons écouter le témoignage, celui d'une jeune femme cette fois. C'est parti. Alors, la petite histoire m'a été contée par ma maman. Ça fait pratiquement 5 ans, si j'ai bonne mémoire. Il s'agit d'un taxi et d'une grand-mère. Alors, ma maman allait au culte, comme elles ont souvent des réunions au culte en semaine, notamment le mercredi et le vendredi. Elles allaient au culte dans l'après-midi. Quand je dis elles allaient, je parle de ma maman et sa sœur, qui est ma tante, bien évidemment. Elles allaient au culte en semaine, quoi. Et en allant au culte, sur la route qui va vers la route des brasseries, là je vous parle de la ville de Yaoundé, la route des brasseries du Cameroun, en allant vers l'ancien aéroport, ils ont eu un incident. Bien avant, le taximan, il a porté une maman qui a stoppé le taxi, elle est au niveau du carrefour Vombi, je crois. La maman a stoppé le taxi et elle est ancrée dans le taxi. Et bien avant d'arriver au niveau de la route des brasseries du Cameroun, le chauffeur a freiné brusquement. Donc je parle là de l'ancienne Camille, pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé. Il a freiné brusquement et il a commencé à blâmer la maman. C'était une maman âgée, d'après les dires de ma mère. C'était une maman âgée. Il a commencé à blâmer la maman, que « mais qu'est-ce que tu veux me faire là? Mais tu te prends pour qui? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu veux faire ça à qui? Tu me connais où et tout? Descends de ma voiture !» Ma maman et ma tata, forcément, elles se sont senties gênées en lui disant « mais mon frère, c'est quelle façon de parler à une maman ça et tout ?» Après, il leur a répondu « mais est-ce que vous savez ce que cette femme était en train de faire là à cet instant ?» Maman lui posant la question que « bon, qu'est-ce qu'elle a fait ?» Le gars dit, elle veut me faire l'accident, moi, un bamoun? Non, mais c'est pas croyable. Est-ce qu'elle sait d'où je sors? Elle me connaît où? Comment ça, elle veut te faire l'accident? Cette femme, pendant que nous étions en train de rouler, elle a fait sortir une troisième route. Et si je prenais la mauvaise route, j'allais faire l'accident. Heureusement que je suis initiée, heureusement que je connais ces choses-là. C'est pourquoi j'ai freiné et je lui ai demandé de descendre de ma voiture. Il a commencé à insulter la maman et tout, et tout, et tout. Il a démarré son véhicule, il est parti. Donc, en roulant, il est en train d'expliquer à ma maman et à ma tata que eh, ils sont nombreux ici dehors, ces gens-là qui vous font faire des accidents. Vous portez des passagers, vous ne savez pas qui ils sont. Vous portez des gens, vous ne savez pas quelle mission ces personnes-là ont de la journée ou alors dans leur vie, par exemple. Et puis, il a dit à ma maman que si vous voulez voir ce qui se passe présentement là, au moment où nous sommes là, je vais vous faire... il suffit juste que je vous donne une astuce de vous laver avec l'eau, une eau avec laquelle vous avez déjà eu à laver un chat. Vous vous lavez, vous fermez les yeux, vous vous couchez et vous irez dans ce monde-là. Je vous assure que vous ne pourriez plus sortir de chez vous. Ma maman et ma tata ont dit non merci mon frère, on a compris et merci déjà de nous avoir sauvé la vie et tout. Alors la morale c'est quoi? La morale c'est que il vaudrait mieux pour nous de prier, peu importe le moyen de locomotion que vous empruntez,
Il en est de même pour les taximans ou même encore pour nous les piétons. Nous, nous sommes chrétiens. Nous sommes dans des églises réveillées. Vous savez que les gens combattent beaucoup les églises réveillées. Alors pour nous, enfin, pour ma part, on a coutume de prier avant de sortir. C'est comme ça, avant de sortir, que ce soit le matin, avant même de prendre le taxi et tout, c'est important. Se couvrir dans le sang de Jésus. Parce que vous ne savez pas à quel moment l'ennemi peut vous attaquer. Vous vous rendez compte que si... Moi, je me dis que c'est le Saint-Esprit qui est passé par cet homme-là pour qu'il ait les yeux ouverts, vous voyez. C'est vrai qu'il a dit qu'il était initié et tout, tout, tout. Ça, c'est son problème. Mais j'estime que c'est Dieu qui est passé par lui pour qu'il n'y ait pas d'accident concernant ma famille, quoi. Donc, c'est la petite histoire. Et bonne soirée à vous. Merci de m'avoir écouté. Je reviens. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens sur la terre qui sont parmi nous pour nous compliquer la vie. Il y a des gens sur la terre, il y a des gens du monde des ténèbres qui quittent là-bas dans le monde des mauvaises personnes pour venir ici sur la terre juste pour compliquer la vie aux gens. C'est pourquoi vous devez vous méfier des inconnus. Le monde n'est plus celui que vous croyez. Ha! Écoutons ensemble un autre témoignage. Je viens en fait te raconter une petite histoire que j'ai vécue, voilà. Dans un petit village du Gabon en séjour. C'était une nuit, je dormais, il était déjà peut-être minuit, 1h du matin, je ressens une présence en fait dans le lit. Et là, je veux essayer de bouger. Je n'arrive pas à bouger, je suis immobile en fait. Et dans le cœur, je commence à prier et tout, je commence à prier. Je vais souligner quand même que c'est un village où vivait ma tante, mais on n'était pas originaire de ce village. J'étais allée en visite en fait. Donc je n'avais rien à voir avec les gens de ce village en fait. C'est ma tante qui était allée en séjour là-bas et tout, voilà. Pour un petit business, elle faisait un petit commerce là-bas. Et voilà comment je suis endormie. Je ressens la présence en fait, mais je veux essayer de bouger et tout, je suis immobile. Donc, ce qui me vient en tête et tout, c'est de prier et tout. Je commence à prier dans le cœur parce que j'essaye de prier. La voix ne ressort pas, en fait. Donc, je commence à prier dans le cœur et tout, machin. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans un village que je ne connais pas. Je n'ai pas de lien avec quelqu'un ici. C'est quelle histoire comme ça et tout. Et tout d'un coup, je ressens le truc, en fait, qui sort du lit, qui descend du lit et tout. Et là, je commence à prier. Et là, je ressens ma voix, en fait. Donc, c'est pour dire que la sorcellerie existe, en fait. Ce truc m'a marqué. Et le lendemain matin, très tôt, vu que je ne dormais pas, je partageais pas la chambre avec ma tante, je me suis réveillée et tout. Vraiment, je ne dormais plus, quoi. Et là, je suis allée lui voir et tout pour lui faire état de ce qui s'est passé cette nuit et tout. Et comme dans nos villages, dans nos traditions africaines et tout, elle a commencé à parler dans le village et tout, machin. Que l'enfant, là, n'est pas venu pour vos trucs et tout. Si vous avez vos sorcelleries, c'est dans vos maisons, nanani, nanana. Et j'en passe, en fait. Donc, c'est pour dire que le sorcier, même quand il veut faire la sorcellerie, en fait, il ne choisit pas. Donc, je ne sais pas s'il est venu me tester, qu'est-ce qu'il me voulait. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc, c'était ma petite histoire. Oui, ce monde. Waouh. Écoutons ensemble encore notre histoire. Bon, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée devant moi. C'est pas qu'on m'a raconté ou bien quelqu'un m'a dit que c'est moi-même devant moi. C'est dans mon village. Je ne veux pas préciser le nom, sinon il y a certaines qui vont connaître patati patassa. Je ne veux pas avoir des problèmes. C'était à côté de ma maison. Vivaient deux jumeaux, filles et garçons. Le frère allait à l'école, mais la fille n'allait pas à l'école. La fille n'a jamais mis pied à l'école. Elle était bizarre du genre. Elle était, je ne sais pas comment dire quoi. Elle avait une forme mince. Quand tu la vois, une apparence, je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Elle avait une apparence, je ne sais pas. Même entre temps, elle avait voyagé. Je vous assure, la fille a commis un crime, on l'a enfermée. Même dans la prison, elle a disparu. Revenir dans ce village. Tu vois, elle avait une sorcellerie, des sirènes.
on ne sait pas comment dire, sirène quoi. On ne sait même pas. Et voilà, entre-temps, on attend que, voilà, une jeune fille vient. Au fait, moi, je fréquentais dans une école. La jeune fille était dans mon école. Bon, elle aime marcher avec les garçons, en fait. Et elle et son ami, ils sont allés. Et l'autre ami a payé la fille. Que entre moi et l'autre gars, parce qu'elle était avec deux garçons, ses amis, c'était deux garçons. Et les deux garçons lui demandent, entre moi et mon ami, qui tu veux d'entre nous? La fille dit non, elle veut la fille. On la demande, comment toi tu veux sortir avec une fille? Elle a dit oui, c'est ça qu'elle veut. Comme les deux garçons n'ont rien dit. Voilà, de temps en temps, elle allait chez la fille. Un jour, on voit qu'elle est tombée enceinte. Ah, DM, je t'assure. C'est compliqué qu'elle est tombée enceinte de la fille. Ah, ils sont allés chez le chef. On demande comment tu as fait pour enceinter la fille. On demande à la fille comment elle a quoi en bas. Elle dit que ce qui est sûr est que quand elle va chez la fille, elle sent le plaisir, mais elle ne voit pas la face qui la touche au fait, qui l'a fait le plaisir au fait. Et l'histoire là s'est tournée jusqu'à ce que la fille la accouche. Aujourd'hui, elle est avec le gars. Et puis, j'avais pas précisé une chose. Déjà, elle avait déjà voyagé enceinte une autre fille aussi. Vous voyez? Sinon, c'est ma petite histoire pour dire la sorcellerie là existe vraiment. Ça s'est passé devant moi. C'est pas qu'on m'a raconté ou bien on m'a dit Patricie, c'est devant moi. Devant moi comme ça là que ça s'est passé. Sinon, en fait, moi je suis togolais. Je m'appelle Bella. Je suis togolais au fait. Je suis une grande commerçante au fait. Ok, c'est ma petite histoire. Moi, si je... Ok, j'attends les commentaires. Vous avez entendu ça? Ha! C'est la sorcellerie pure et simple. Écoutons encore notre histoire mystique. C'est parti. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire que j'ai réellement vécue. C'est pas des ho-ho, c'est pas des qu'on est venu me raconter. Non, c'est une histoire que j'ai vécue. Je suis congolaise de Brazzaville. Donc, en 2015, j'étais à Pointe-Noire. En 2015, je passe en terminale, je vais dans un lycée et je fais la rencontre d'un ami. Cet ami avait un bracelet qui me plaisait beaucoup. Donc, une fois, je tente de lui demander le bracelet, je lui demande de me donner le bracelet. L'ami refuse. J'insiste, je dis donne-moi le bracelet, j'ai aimé. Il me dit que le bracelet que j'ai, c'est une amie qui me l'avait donné, je ne peux pas, qui me l'avait offert, je ne peux pas te donner. J'insiste jusqu'à ce qu'il me sorte une histoire que non, mon ami là avait des esprits, des os, et je ne peux pas te donner. Je dis non, c'est juste un prétexte. Tu veux juste pas me donner, mais moi je le veux. L'ami me donne le bracelet. Je porte le bracelet de 2015 à 2018. Donc en 2015, je manque le bac. Je change de lycée. Je vais dans le lycée où il y a mes frères et sœurs. 2016. Je manque encore le bac. Et voilà, 2017, terminale. Donc en 2017, je cheminais avec ma petite sœur, on se racontait souvent des histoires. Elle me racontait une histoire de sa copine qu'on avait interdit d'aller à la plage. Pourquoi? Parce que elle avait vraiment eu des histoires, mais très bizarres, jusqu'à ce qu'on interdise d'aller à la plage. Donc elle avait les esprits des sauts. Et pour que ça ne puisse pas revenir, il fallait qu'elle n'aille plus à la plage. Donc l'ami lui racontait que elle, quand elle fixait une personne, quand elle disait juste au fond de son cœur « baisse ton regard », la personne baissait automatiquement le regard. C'était une forme de domination.
Donc, ma petite soeur me racontait son cours de chemin. Après, moi, je lui ai dit, c'est vrai. Elle me dit que oui, elle me dit que c'est ce qu'elle faisait et que ça marchait bien. Est-ce qu'on ne va pas tenter? Moi, j'ai dit, si, on va tenter. Donc, de mon côté, je faisais. Elle aussi, de son côté, elle faisait. On venait se raconter que non, on l'a fait, ça a marché. Ça a vraiment marché quand je fixe telle personne. Au fond de cœur, je répète la phrase. La personne baisse son regard. On était contents. Donc, au fur et à mesure, quand on rentrait des cours, on se racontait des histoires. Que non, moi, il y a une amie qui m'avait dit que elle avait vu un esprit de Sylvain. Qu'est-ce qu'elle avait fait avant de voir? Elle avait jeté la cola, les bonbons et les pièces dans l'eau. Elle avait fait un feu et elle avait vu la sirène. La curiosité, c'est vraiment pas bon. Tantôt c'est bien, mais tantôt non. Donc, quand on se raconte ça, on se dit que non, on doit tester ça. On prend un jour pendant la pause. On part à la plage. Donc, je vous ai dit que j'étais à Pointe-Noire. Je vivais au CH. Et je fréquentais au centre-ville. Au centre-ville, il y a une plage pas loin. Mais nous, on ne partait pas à la plage du centre-ville. On partait à la plage de Ngoyo. Pour ceux qui sont de Pointe-Noire, vous connaissez la distance. Centre-ville. Ngoyo, Ngoyo plage. Donc on avait acheté les bonbons, on avait monné nos pièces, on avait monné l'argent pour avoir des pièces et il nous manquait juste la cola. On descend du bus, il fallait marcher de l'arrêt de bus encore jusqu'à la plage, c'était loin. On marchait en cours de route, on se disait que bon, on allait trouver les vendeurs de cola, on n'en trouvait pas jusqu'à ce qu'on arrive à la plage. On part ce soir sur les rochers. On était frustrés parce qu'il n'y avait pas la cola. On se disait que pour que ça marche, il fallait vraiment qu'il y ait la cola. Mais il n'y avait pas la cola en bas. On se dit que c'est pas grave. On va juste faire avec ce qu'on a. Donc, on s'est départagé les bonbons, les pièces. Et voilà qu'on a mâché les bonbons. On a déposé sur les mains et les pièces. Chacune de nous a fait son vœu. Et moi, j'avais fait le vœu de voir la sirène. J'y croyais pas, je ne croyais pas aux sirènes. Donc moi je disais que pour croire je dois voir. Après avoir fait les vœux, on a jeté dans l'eau et nous sommes partis. En marchant au bord de la plage, je ramasse un gros coquillage. Un coquillage que j'ai commencé à utiliser comme un téléphone pour parler aux esprits des eaux. Juste comme ça, je vous jure que je prenais toujours ça pour la blague. Donc, j'avais un sex friend dans la classe. Et quand une fille venait coller mon sex friend, moi, ça ne me plaisait pas. Je rentrais à la maison, je parlais au coquillage. Je parlais au coquillage. Je faisais des vœux que telle chose, que la fille qui s'approchait du garçon puisse faire la diarrhée. Des vœux tellement mais bizarres, mais pas genre les choses que la fille doit mourir, non. Peut-être qu'elle ne doit plus s'approcher de lui, que le gars doit le détester, ou bien qu'elle puisse faire la diarrhée, les choses comme ça. Et mon sex friend, la première fois qu'on a eu à faire des trucs avec lui, la nuit là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai rêvé qu'il y avait un serpent sur un poisson blanc. Le serpent ne mangeait pas le poisson, mais le serpent était sur le poisson blanc. Ils étaient en train de faire crac-crac. Donc, voilà que j'utilisais le coquillage avec ma petite soeur. On l'utilisait comme téléphone, juste en rigolant. Hein. On va prendre le téléphone. Non, on va parler. Parce que les coquillages, quand tu mettais ça sur l'oreille, tu vois, ça fait le bruit. Les coquillages, les gros coquillages, quand tu mets sur l'oreille, ça fait le bruit. Donc, nous, c'est avec ça qu'on parlait. Jusqu'à sur mon fond d'écran, j'avais une image d'une sirène qui était sur l'eau en dessin. Mais moi, j'admirais. Des fois, je rentrais dans ma galerie, je clique juste sur l'image. J'admire ses bijoux de taille, les bijoux autour de ses seins, sur son cou, sur ses cheveux. Mais quand je la voyais, je vous assure que je sentais vraiment genre une divinité, genre une déesse, je sais pas comment expliquer.
Et je parlais même à l'image. Je faisais même des prières à l'image. Que je dois voir ou ceci, telle personne m'a fait cela, moi ça ne m'a pas plu. Juste en rigolant. Juste en blaguant. Jusqu'à quand on marchait, on ne voyait que moi. Une fois, je voulais accompagner une autre de mes sœurs au marché. Elle me dit que non, reste à la maison. Je lui demande, mais pourquoi? Elle dit que parce que quand on marche, on ne voit que toi. Moi, on ne me voit pas. C'est seulement toi qu'on me drague. Moi, ça m'avait fait rire. Mais après, j'ai banalisé. Je vous assure que les soirs, quand c'était le soir, je me douche. Bien make-up. Le matin, quand maman m'envoie aller faire l'inventaire, bien make-up. 6 heures, me voilà make-upée. 18 heures, me voilà make-upée. Parfois, la nuit, je fais mon make-up bien, bien, bien là. Je dors. Donc, une fois, ma mère m'emmène à une retraite. On part, c'était au bord d'un lac. Pendant que les autres priaient, non, moi, j'étais là, je contemplais le lac. Je me posais des questions. Est-ce que il y a vraiment la vie là-bas? Est-ce que ceci? Est-ce que les sirènes existent? Si vous existez, manifestez-vous. Si, au fond de mon cœur, jusqu'à la fin, on rentre à la maison. Donc ouais, je vous ai dit que je partais me recueillir à la plage. Un jour, je me sentais triste. Je suis partie à la plage. Je commençais à parler seule. J'ai dit que non. J'ai manqué le bac en 2015, j'ai manqué le bac en 2016, me voilà en 2017. Je manque encore le bac. Cette année, c'était à quelques jours du bac. J'ai dit que non, quand ça sera le jour des épreuves, je n'irai pas pour moi faire les épreuves. Je sais que je vais manquer le bac. Je sais que je vais manquer le bac. Donc, au lieu d'aller... à la salle d'examen, je viendrai pour moi à la plage. Je viendrai passer mon temps ici parce que je sais que mon nom ne va pas sortir sur la liste des admis. C'est ce que je me disais dans ma tête, que je ne vais pas pouvoir faire le bac. Je sais que je vais manquer. Au lieu de partir faire le bac, je viendrai à la plage pendant ces 4 jours-là. Je viendrai à la plage. Donc... je rentre à l'école, c'était pendant la pause. Après la pause, je rentre à l'école. Après, mes amis me trouvent triste. Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à dire que non, moi, je suis fatiguée. Comment je fais que manquer? Tout. Depuis 2015, je fais le bac, ça ne marche pas. J'ai envie d'abandonner. Mes amis m'ont remonté le moral. Donc, après, c'est passé. J'ai fait le bac. J'étais finalement partie à la salle d'examen, mais j'avais manqué le bac. J'avais encore manqué le bac pour une troisième fois. Et donc, je continuais toujours dans mes trucs. Voir la sirène, si réellement tu existes, je dois te voir avec la queue bien là, comme on voit dans les films. Je vous dis que je dormais dans une chambre où il y avait juste la douche à côté avec ma petite soeur. Donc, je sentais des présences la nuit. Je sens les présences. Je sens les présences juste quand j'ai peur de me lever pour aller faire pipi à quelques pas de la douche. J'ai peur. Je réveille ma petite soeur pour qu'elle m'accompagne et m'attende devant la porte. Pendant que je fais mes besoins. Et je sentais les présences. Elle aussi, parfois, elle me dit que non, je sens aussi les présences. Donc, un jour, en mois de septembre, je pense septembre, je pars en retraite spirituelle avec ma tante pour 4 jours. Désolée, l'histoire sera un peu longue. Bon, elle est longue. Donc, je pars à une retraite spirituelle au monastère de Luango. En cours de chemin, pas loin du monastère, je remarque qu'il y avait la mer derrière. Oh, mes yeux n'étaient que fixés là-bas.
Mes yeux n'étaient que fixés là-bas jusqu'à ce qu'on arrive. Et je me rends compte que la plage, la mer n'était pas loin du monastère. Je dis que bon, c'est pas grave. On arrive en retard. Demain, je vais partir voir ça de près. Donc, demain arrive, bam. Je me lève le matin et tout. Je fais mes trucs vers midi. Je me mets à me balader. Je commence à me balader, jusqu'à ce que je vois le chemin qui mène à la plage. Mais il y avait une petite forêt avant d'y arriver. Je dis que, ah, non, là, il n'y a personne tout autour de moi. Quand pas loin, il y avait un forage. Je dis qu'il n'y a personne ici. Imagine qu'en marchant, il y a des gens dans les herbes, dans les bois là-bas, on m'attrape, on me fait du mal. Mais mon cœur battait tellement fort, j'avais l'impression que quelque chose m'attendait là-bas. Du coup, mon esprit n'était pas tranquille. J'ai dit que bon, c'est pas grave. Demain, je vais repartir. Demain, en tout cas, je dois repartir. Donc, je fais retour. Je fais marche arrière, je continue à visiter d'autres lieux. Je visite. Quand je rentre, je vois que les autres faisaient la méditation. On me dit que tu étais où? J'ai dit que non, j'étais juste allée me balader et tout. Donc, le lendemain, je me lève avec ma décision d'aller aujourd'hui à la plage, traverser la petite forêt, voir ce qui m'attend là-bas. Parce que mes idées, c'était seulement là-bas. Donc, je me lève et tout. Je fais mes choses et au moment où je m'apprête à partir, le berger m'aperçoit, il m'arrête. Il me dit, tu vas où? Je lui dis que je me balade. Il dit que non, hier on te cherchait, on ne t'a pas vu, tu étais passé où? Je lui dis que j'étais juste allée me balader. Il sourit, il me dit, je te surveille de près. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir. Moi, qu'il a caché mes plans. Comment ça? Vraiment, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, je dois aller voir la plage. Je dois aller voir ce qui m'attend là-bas. Il m'interdit de sortir. Il m'avait demandé de m'asseoir à côté de lui. J'étais restée assise à côté de lui jusqu'au soir. J'ai dit, c'est pas grave. Le lendemain, demain matin, j'irai. Même s'il m'empêche aujourd'hui, demain j'irai. Je dois aller voir ce qui m'attend là-bas. Donc demain arrive, bam, le berger m'attrape encore et me dit qu'aujourd'hui, il y a méditation. Donc chacun va s'éloigner, va aller se recueillir, va prendre sa Bible, va se recueillir et à la fin va venir me dire ce qu'il a compris dans les passages qu'il a lus. Il nous a donné des versets, moi il m'a donné mon verset. Je suis allée, je me suis éloignée, je suis allée lire la Bible. J'étais là un moment, je m'ennuyais. Je m'ennuie. Donc je vois mon bracelet. Je dis, ah tiens, j'ai le bracelet. Je commence à parler. Je dis que, oh, si vraiment les esprits des sous, les sirènes existent, je m'ennuie. Envoyez-moi quelqu'un avec qui je vais parler parce que je m'ennuie. Même pas 5 minutes, je vous jure, une petite fille est venue à côté de moi. Dès qu'elle est venue, elle s'est assise, elle a touché mon bracelet. Je l'ai regardée. J'ai souri au fond du cœur, j'ai dit, oh, donc vous m'avez envoyé une petite fille. Vous n'allez pas croire que si je vous dis que jusqu'à quand je voyais les œuvres, je croyais toujours pas. Moi, je voulais voir la queue. Donc, la petite fille, elle était là et tout. Elle commençait à jouer avec moi. J'ai dit non, moi, j'ai au fond du cœur, j'ai besoin d'une grande fille avec qui je veux poser, pas une petite fille. Du coup, je me lève. Je vais m'asseoir sur les bancs. Comme c'était un monastère, il y avait des bancs à l'extérieur qu'on avait sortis. Parce qu'il y a des... On formait des séminaristes. Là-bas, oui. Donc, je m'assois sur le banc, j'étais là, et voilà qu'il y a une fille, à peu près même âge que moi, qui vient s'asseoir à côté de moi.
On commençait à causer. Un moment, me propose d'aller cueillir des mangues, comme il y avait des mangues dans le monastère. Donc, on se lève, je laisse ma Bible, je laisse ce qu'on m'avait demandé de faire. Me voilà en train d'aller cueillir des mangues avec elle. On a cueilli, jusqu'à 18h, on rentre. Le berger m'attrape. Il me dit, moi je t'ai demandé d'aller méditer, voilà que tu es allé tout. Je lui ai dit, c'est quand même fallait cueillir les mangues. Donc il me fait asseoir et me dit, qu'est-ce que tu as compris dans le passage que je t'ai donné? Ah, j'ai commencé à inventer, il a compris que je n'avais pas lu. Après, il me demande de l'expliquer ma vie spirituelle. Donc j'ai commencé à relater ce que je vivais, ce que je sentais, ce que j'avais fait, même le rêve avec mon ami. Le serpent et le poisson et tout, je l'explique. Il dit, c'est pas grave. Le soir, il y avait la nuit de prière. Donc, pendant avant la nuit de prière, il y a une nuit. Donc, une nuit avant la nuit de prière, on dormait. Et voilà qu'une dame de la salle où on dormait se réveille en sursaut et commence à prier. Elle prie. Vous emmenez vos esprits ici, vos esprits des eaux, nanana. Vous emmenez ça ici. Quand vous venez dans ce genre de lieu, laissez vos esprits à l'extérieur. Il y a des gens de nénés. Elle commence à parler. Et à mon réveil, quand je m'étais levée le matin, les gens me regardaient bizarrement. Ah. Moi, je ne comprenais pas. Donc, à la nuit de prière, on prie, c'était tellement chaud, c'était chaud, que, à un moment, j'étais rentrée dans la profondeur, dans les prières. J'ai commencé à sentir comme si mon ventre chauffait, et il y a comme si quelque chose qui remontait, qui voulait sortir, mais je n'arrivais pas à sortir ça de ma bouche. C'est comme si je voulais cracher quelque chose, vomir quelque chose, mais je n'arrivais pas. Donc après ça, bon, les gens ont commencé à parler encore, c'est plus là, on priait plus, on commençait à modérer, si je peux dire modérer. Et à un moment, la prière chauffe encore, quand ça chauffe, j'étais debout, je commençais à prier encore, je prie. Mon corps commençait à trembler pendant que je priais, je tremblais, je n'étais plus en équilibre. Je continue à prier, je priais. Et à un moment, j'ai senti des gens derrière moi qui m'ont touché. Dès qu'ils m'ont touché, mais j'ai crié, je suis tombée. J'ai commencé à me manifester. Les gens m'ont attrapé. 4 personnes m'ont attrapé. J'ai commencé à rester, me manifester. On m'a mené au milieu de la cour, là où on déposait les gens qui se manifestaient. Je me suis manifestée, je commençais à rouler, je faisais des gestes bizarres, je criais, je faisais des gestes bizarres. J'étais avec ma tante, elle était tout au fond, donc elle ne voyait pas. C'est le lendemain que je lui raconte ce qui s'était passé. Donc, on rentre dans la ville. Quand on rentre dans la ville, on partait toujours à la messe de malades. À la messe de malades aussi, je tombe une fois. Donc, bref, quand j'avais manqué le bac en 2017, je me suis dit que bon, je veux changer de vie, je veux partir à Brazza pour faire mon bac, question de m'éloigner des gens. Voilà que mon père accepte, donc je pars à Brazza. J'emporte mon coquillage avec moi. Arrivé à Brazza, je ne pouvais pas prendre une douche. Je ne pouvais pas prendre une douche sans qu'il y ait un miroir devant moi. C'est-à-dire que je dois avoir le miroir devant, même si c'est un petit morceau. Quand je pars de la douche, je prends mon morceau, bam, il y a le miroir dans l'eau. Dès que j'arrive, j'installe le miroir de telle sorte que je vois tout mon corps pendant que je me lave. Donc, c'est ce que je faisais, toujours avec mon coquillage. Je parlais au coquillage la nuit. Et un jour, ma tante me confie un prêtre qui me suivait spirituellement. Donc, le prêtre, il prie pour moi, il prie. Au moment où j'ai commencé à me manifester, de l'autre côté, il y avait un autre prêtre qui était en train de faire la délivrance à une fille. Moi, de mon côté, il y avait aussi un autre prêtre qui me faisait genre
Il me parlait un peu. Après un moment, je commençais à me sentir bizarre. Comme le prêtre en fait s'était fatigué, il a dit on va continuer demain. C'était dans la sacristie. Pendant qu'on sort, celui qui priait pour moi, il me dévance, il sort. Moi, j'essaie de sortir. L'autre prêtre qui priait pour l'autre femme m'arrête. Il me dit comment tu vas? Je lui réponds ça va. J'allais partir. Il me dit attends. Il me dit comment tu te sens? Je le regarde comme lui-même, il dit que le regard que je lui avais lancé, mais c'était un regard, mais vraiment un vilain regard, c'est ce qu'il m'avait dit à la fin. Donc il me dit, comment tu te sens? Je dis, bien, avec la colère. Je pars, il dit, non, reste là. Aïe. Pendant ce temps, celui qui priait pour moi, il m'attendait devant la porte. Il me dit, comment tu te sens? Je le regardais avec un regard méchant. Il dit, oh, tu veux pas répondre? D'accord. Comme tu veux pas répondre, toi, pour sortir d'ici, tu dois dire, Jésus-Christ sauve-moi, Jésus-Christ guérit-moi. Si la phrase-là était sortie de ma bouche, il dit, dis Jésus-Christ, tu veux sortir, dis juste Jésus-Christ, sauve-moi, Jésus-Christ, Jésus-Christ, délivre-moi. Je n'arrivais pas à dire ça. Donc, il avance au fur et à mesure qu'il avance vers moi. Moi, je commençais à trembler. Il dit, dis Jésus-Christ, sauve-moi, Jésus-Christ, guéris-moi. Je commençais à trembler, j'ai commencé à pleurer. Dès qu'il m'a touché seulement, j'ai crié. L'autre prêtre est venu. Moi, quand je me manifeste, je sais tout ce que je fais, mais je ne me contrôle pas, mais je sais tout ce que je suis en train de faire. Donc, il me fait flouer, il me met en cercle, il me demande de passer autour. Rien du tout. C'était vraiment dur. C'était dur, mais j'avais une force là. Je vous assure que la force que j'avais, moi-même, je ne comprends pas. Juste quand j'ai soulevé un prêtre qui était assis, je l'ai tiré, je l'ai fait lever. Je me suis débattue. Je me suis débattue. On me disait, comment tu t'appelles? Le nom ne sort pas. Dis cette, répète cette phrase. Rien du tout. Rien du tout. Après un moment, je me suis calmée. Le prêtre en question, on va l'appeler... La bébène, c'est lui qui me demandait de dire Jésus-Christ sauve-moi, Jésus-Christ guéris-moi. Et celui que ma tante m'avait confié, on va l'appeler l'abbé Jacques. Donc, la bébène me dit, oh, tu viens d'où? Je lui dis que je viens de Pointe-Noire. Il me dit, raconte-moi, parle-moi un peu de toi. Je lui parle de moi, je lui parle de ce que j'ai vécu à Pointe-Noire. Après, il dit, je vais te suivre. Et il parle à l'abbé Jacques, il lui dit que, mais comment tu pouvais le laisser sortir alors que tu n'as pas fini de prier? Tu vois comment elle s'est manifestée, pourquoi tu lui as laissé sortir? Tu n'as pas fini de prier pour elle. Après, l'abbé Jacques dit que non, j'étais fatiguée, je voulais poursuivre ça avec elle le lendemain. Donc, c'est plus l'abbé Jacques qui me suivait spirituellement, c'était maintenant l'abbé Ben. L'histoire est très longue, mais je vais résumer. J'ai eu beaucoup de séances de prière, beaucoup de séances de délivrance pour que je puisse m'en sortir. On m'a délivré pour une première fois, deuxième fois, je repartais toujours. On me délivrait, je repartais toujours. Je repartais toujours. J'ai fait les neuvaines, j'ai fait les grottes, les neuf grottes. Je m'étais vraiment... Au début, je ne m'investissais pas. Je prenais ça toujours pour la rigolade jusqu'à ce que la vieille peine me dit que si tu ne prends pas au sérieux ce qui se passe, ça te regarde, c'est ta vie. Ce que tu as fait, ça sera difficile pour toi de t'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as provoqué.
et ça sera très difficile pour toi. Du coup, tu dois arrêter. Si tu as des choses avec toi, si tu fais des pratiques, arrête avec. Donc, au fur et à mesure, me dire si tu as des choses, si tu te rappelles de quelque chose, viens toujours me dire. Je m'étais rappelé que j'avais le coquillage. Tu lui avais donné le coquillage. Donc, après, c'était la période de les 7 semaines. Et pendant que je faisais les 7 semaines, dans le groupe où j'étais, la maman, au fur et à mesure qu'on priait, je me souvenais que j'avais des trucs. Donc, je lui avais montré mon téléphone. J'avais les têtes de mort. J'avais les visages bizarres de mon téléphone. J'avais l'image toujours de la sirène là. La maman là m'avait demandé de tout supprimer. J'ai tout supprimé. Et jusqu'à ce qu'un jour je dors, je rêve du bracelet. Et je me souviens que tiens, je porte ce bracelet depuis 2015. Donc je prends le bracelet, je remets à la maman qui était responsable du groupe dans lequel j'étais. Donc je lui remets le bracelet. Et j'avais même des tics, genre quand je restais comme ça. Je bougeais ma tête comme ça, ma tante, jusqu'à ce que ma tante vienne m'en parler. Elle me dit que quand tu es calme, tu bouges ta tête, tu bouges tes pieds. C'est comme si tu étais dans l'eau, tu nageais. Tu dois arrêter ça, telle qu'elle m'avait dit. J'avais arrêté au fur et à mesure. Elle m'a aidé avec des nouvelles, elle m'a aidé avec des prières de délivrance. Je suis allée à la montagne. En tout cas, c'était vraiment... vraiment, vraiment dur pour moi de m'en sortir. C'était vraiment dur parce que c'est un truc que j'avais provoqué moi-même, que je prenais à la légère. Et le prêtre m'avait dit que si je n'arrêtais pas avec, ça allait soit me poursuivre, soit poursuivre mes enfants, soit aller de génération en génération. Et moi, ça m'avait fait peur. J'avais dit que non, c'est le moment pour moi d'abandonner ça. Et voilà, j'avais abandonné. Je m'étais sortie. Jusqu'à présent, je prie toujours. Et je faisais des rêves bizarres. Je rêvais, quand j'ai commencé à abandonner petit à petit, je faisais des rêves bizarres. Je rêve des grandes vagues qui essaient de m'emporter. Mais Dieu merci, je me suis sortie. Vraiment, la morale de l'histoire, c'est seulement que... C'est vrai que... Parfois, c'est bien la curiosité, mais c'est vraiment un vilain défaut, la curiosité. Et ma tante disait que tantôt je brillais, et des fois où je brillais, et des fois où je ressemblais à une vieille. Tout ça à cause de ça. Ça pouvait bloquer ma stérilité. Ça pouvait me rendre stérile, je veux dire. Ça pouvait me rendre stérile. Et je vous dis qu'il y a un moment où les hommes ne m'intéressaient plus. Au fait, c'était quoi? Genre, tout ce qui m'intéressait, c'est qu'ils me draguent, ça me fait plaisir, et puis je te rejette. Les hommes ne m'intéressaient plus. J'étais devenue bizarre. Mais Dieu merci, je me suis en sortie. Et c'était pas facile. Donc voilà mon histoire, ça a pris du temps. J'ai longtemps réfléchi avant vraiment de raconter. Et j'ai supprimé beaucoup, plusieurs fois, les notes. J'espère que ça va vous édifier. Et merci encore. Waouh, vous avez entendu ça? C'est grave, ce monde. Dites-moi ce que vous avez pensé, si ce que vous avez de vous, pour... La suite de ce témoignage, c'est pas terminé.